Cette fois-ci, on va parler d'un film italo-belge réalisé en 1974 par Patrick Longchamp. Le film s'appelle Simona. Simona, elle est jouée par Laura Antonelli. Simona assiste à une corrida en Espagne. Mais pourquoi je vous parle de ce film? Le film n'est pas vraiment très connu. En plus, ce n'est pas un film purement français. Pourquoi je vous parle donc de ce film? Ce qui nous intéresse le plus dans ce film, c'est qu'il est tiré d'un roman célèbre qui s'appelle « L'histoire de l'œil ». C'est un roman de Georges Bataille, écrit en 1928. Alors les amis, préparez-vous à des expériences extrêmes, parce que là, on rentre dans le vif du sujet. En 1928, un certain Lord Hoche écrit un roman qui s'appelle « L'histoire de l'œil ». Nous sommes en 1928. Le livre a été édité clandestinement. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas publié ce livre sous son nom de manière officielle? C'est parce que c'est un roman spécial. Histoire de l'œil est narrée par la première personne, par un homme, qui est bouleversé par la rencontre avec une femme, avec une jeune femme qui s'appelle Simone. Le narrateur et Simone associent à leur jeu perverse une troisième personne qui s'appelle Marcel.